Bonjour, aujourd'hui nous allons préparer une nouvelle recette. Ce sont des crêpes marocaines super délicieuses et super légères. On en appelle brer ou mille trous. Je vous laisse avec la recette. Donc pour préparer nos crêpes, il va nous falloir 3 verres de semoule très fine correspondant à 170 g chacun et 4 verres d'eau tiède correspondant à 170 ml chacune. Une cuillère à soupe de levure boulangère, 2 levures chimiques correspondant chacune à 8 g, une petite cuillère de sucre, une petite cuillère de sel et une cuillère à soupe de farine blanche. Donc nous allons commencer par mettre notre eau dans le mixeur. Nous rajoutons notre levure boulangère, notre levure chimique, puis notre petite cuillère de sucre. Je vais mélanger le tout au mixeur, puis je vais rajouter ma semoule et ma cuillère à café de sel et ma cuillère à soupe de farine blanche. Je mixe le tout. Donc il faut très bien mixer, on obtient une pâte comme ceci. Si vous voyez qu'elle est trop épaisse, en fait, il faut rajouter un tout petit peu d'eau. On va laisser reposer notre pâte à peu près 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Et sur une poêle à crêpes bien chaude, nous commençons à faire nos crêpes ou nos brer. Donc là, vous voyez, elles font bien les fameux mille trous. Dès qu'elles sont cuites, on les met sur un torchon propre et on les laisse refroidir. On peut les garder au réfrigérateur pendant 3 jours. Et voilà nos fameuses crêpes, nos brer sont prêts. J'espère que vous réaliserez la recette. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de m'encourager avec vos likes, vos partages et vos abonnements. À bientôt.